ici au laboratoire central vétérinaire de Benjavi. Voilà, nous sommes dans sa autopsie. Elle est munie d'une table d'autopsie avec un robinet pour pouvoir nettoyer simplement. Et on utilise comme matériel utilisé. Donc ici, nous avons le matériel d'autopsie. Nous avons les paires de ciseaux, une lame de bistouri et également le costotome. Constantin, lui, permet juste de briser les os qui sont difficiles à couper. Donc, une fois que nous avons le bouquin, on passe à la phase de l'autopsie. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Ce sujet est venu, nous avons fait le sacrifice de l'animal. Après le sacrifice, nous allons mouiller le sujet pour éviter que les plumes ne s'envolent ou ne contaminent les organes qui sont déjà qui sont à prélever. Donc je prends le constaton effectivement, comme je l'ai dit, je brise. Je fais attention pour ne pas toucher les organes, parce que ces organes-là sont à prélever. De ciseaux et une pince pour pincer à dents de souris. Viens, viens, donne-le. Ici, là, j'ai fait des prélèvements du foie. Après la lecture de ce foie, j'ai fait des prélèvements. Parce que sur ce foie, on peut trouver des lésions. Et c'est ces lésions-là, généralement, qu'on prélève. Parce qu'on suppose que c'est à partir de ces lésions que nous pouvons retrouver donc des gènes. Là, j'ouvre maintenant. Ah, c'est le sac aérien. Vous voyez que le sac aérien est bien transparent. Le sac aérien qui fait partie de l'appareil respiratoire, ici on voit le sac aérien bien transparent, on suppose que nous n'avons pas de problème respiratoire. À partir de ce sac aérien, on peut déjà dire qu'il n'y a pas de problème respiratoire, mais il y a aussi des poumons à regarder. Je fais l'appellement des poumons. Et après, je fais aussi l'appellement de la grappe ovarienne. La grappe ovarienne, en fait, c'est tout ce qui est début de deux. Voilà, il s'agit d'une femelle. Donc, on fait aussi les prélèvements là-bas, on observe. Il pourrait y avoir soit beaucoup d'hémorragie, de la coagulation, tout ça. Ça nous situe sur certaines pathologies aussi. Donc, on fait les prélèvements pour aussi observer si jamais, que ce soit en bactéries comme en virus, surtout, on peut trouver éventuellement des pathogènes. Et là, c'est l'oviduct qui est là, c'est une jeune poule. Elle n'a pas encore atteint l'âge de ponce. Vous voyez la grappe, l'oviduct ici. Je soulève l'oviduct également. Le poule.
son retour. Ça, c'est pour les médecins. Oui. C'est ça, dans le plateau. Oui, ma question, tout en grand, je dois se passer les bras. Quand il fallait toucher, comment il touche la main? Ici, c'est le tube digestif. Et cette partie est appelée l'anse pédonale. Je vous lève une partie de l'anse pédonale ici parce que généralement, en ce qui concerne tout ce qui est parasite et même maladie bactérienne, c'est généralement là qu'on peut retrouver les germes et parasites. Donc je vais prélever une partie de l'anse pédonale. Vous avez pour la fin. Là, on peut regarder même à l'intérieur de ce tube digestif parce que il se peut qu'il y ait des vers. C'est un problème qui va en parasitologie pour chercher les parasites. Ça peut être la coccidiose, ça peut être les ascaris, ça peut être le ténia. Quand ils ne sont pas encore adultes, on ne peut pas les voir à l'œil nu, mais quand ils sont adultes, on peut les voir, certains, je dirais. Et en même temps, ça nous permet aussi d'observer la muqueuse intestinale. Oui. On peut voir quelques pointillés de sang. Le sang. Et ça, ça nous oriente. Effectivement, c'est un peu hémorragique. Voilà. Et une entérite. Il n'y a pas de verre adulte, mais il se peut qu'il y ait aussi la coccidiose. La muqueuse elle est très éclaircie et il y a quelques entérites. Attendez. Un truc qui a l'air de sembler. Ah non, non. La muqueuse. La muqueuse. Et là, je fais aussi un autre prélèvement pour juste déposer. Je regarde les ganglions sécaux. Est-ce que ce n'est pas, il n'y a pas une réaction au niveau des ganglions sécaux? Voilà. Normalement, l'objectif de l'autopsie, c'est de passer vraiment en revue tous les organes. Chaque organe nous dit quelque chose sur l'état de l'animal. Donc, nous faisons l'effort de passer au maximum en revue tous les organes. Nous essayons de lire tant bien que mal quelques lésions éventuellement que nous pouvons trouver. Là, c'est le gésier. Et ce que j'attrape ici, c'est le proventricule. Quand nous avons affaire souvent à des maladies virales, si tout la nucleation, parce que c'est déjà un sujet adulte, si tout la nucleation et la grippe aviaire, au niveau du proventricule, nous pouvons trouver des pétéchies.
pouvons trouver des petits chiens. En fait, les petits chiens, c'est les points hémorragiques qui se trouvent sur la muqueuse du proventricule ici. Et là, on regarde, effectivement, il n'y a absolument pas de petits chiens. Voilà. Pas de petits chiens. On peut regarder également au niveau du gésier pour voir est-ce qu'il n'y a pas de poids étranger. Ça peut être des clous, ça peut être des gros cailloux. Voilà. Et ça empêche l'animal de consommer l'aliment. Ok. Donc au niveau du gésier, voilà tout ce que l'animal a mangé, c'est juste l'aliment. Ensuite, je regarde aussi la trachée qui fait partie de l'appareil respiratoire. Est-ce qu'au niveau de la trachée, il n'y a pas eu une trachéite ou il n'y a pas la matière gazeuse qui bouche cette trachée pour l'empêcher de respirer? Il y a aussi un parasite qu'on peut retrouver au niveau de la trachée. Ici, tous les sujets traditionnels, c'est le syngame. Le syngame, généralement, il pique la trachée et ils empêchent la respiration de l'animal. Et le sujet meurt par souci. Donc au niveau de la trachée, effectivement, nous avons un petit caillou de sang qui n'est pas une trachéite. C'est quand on va égorger, quand on va sacrifier. Donc, il n'y a pas aussi, ce n'est pas aussi gluant. On regarde au niveau du cœur. Est-ce qu'il n'y a pas de pétéchi également? Parce que cette maladie de Newcastle que nous disons, et aussi la grippe aviaire, les lésions de la Newcastle et la grippe aviaire, on peut retrouver aussi des pétéchi au niveau du cœur. Ça, c'est le péricarde, la membrane qui recouvre le cœur, que j'enlève. Pour regarder, est-ce qu'il n'y a pas une accumulation d'eau aussi entre le péricarde et le muscle cardiaque? Voilà. Il n'y a pas d'accumulation d'eau. On regarde aussi le cœur, il n'y a pas de pétéchie. On suppose qu'il n'y a pas de problème. Je regarde au niveau du cloaque. Est-ce qu'il n'y a pas une infection au niveau du cloaque? On appelle cloacite congestive. Au niveau du cloaque, généralement, on peut retrouver, ça peut être congestionné. Quand on voit le cloaque congestionné, on suspecte également la maladie de Newcastle ou même de la grippe aviaire. Tout ça fait partie des lésions de la maladie de Newcastle et de la grippe aviaire. Donc, la muqueuse du cloaque que je regarde, effectivement, je vois qu'il n'y a absolument rien. S'il y avait quelque chose, ça allait être congestionné. Plus rouge. Beaucoup rouge. C'est un peu trop scientifique, congestionné. Il y a aussi des prolapsus qu'on peut observer au niveau du cloaque. On se fait un peu les prolapsus quand la poule veut pondre et que l'œuf est trop gros. On a l'impression qu'il y a une sortie du cloaque. Et donc, en regardant le cloaque, on peut aussi observer tout ça. D'accord. Ok. Donc, à l'autopsie, nous faisons des fouilles pour voir un peu l'origine des mortalités. Souvent, les clients nous viennent avec des sujets débéqués, mais débéqués un peu beaucoup courts. Ils débéquent jusqu'au niveau des narines. Or, comme c'est débéqué jusqu'au niveau des narines à ce niveau, le sujet, dans sa consommation d'aliments, comme l'aliment est sous forme poudreux, alors le sujet respire cette poudre d'aliment au niveau des narines et ça crée des problèmes respiratoires. Et vous allez voir dans certaines fermes, les sujets toussent, ça éternue. Alors donc, c'est à la base ces problèmes respiratoires. Donc le débécage très court crée les problèmes respiratoires. Mais ici, je pense que le débécage est déjà bon. Ici, comme c'est un sujet qui est âgé, généralement les chairs ou les sujets de moins de 2 semaines, 3 semaines,
On regarde au niveau du muscle du brochet, ça c'est le brochet. On regarde au niveau du muscle du brochet et au niveau des cuisses aussi. Voilà. Au niveau des cuisses, on regarde s'il n'y a pas de. Comment ça s'appelle De tâches hémorragiques qu'on appelle des nappes sanguines. Voilà. Des nappes sanguines, c'est-à-dire que c'est des tâches qui sont incorporées dans la chair, qu'on ne peut pas enlever. Et ces tâches-là sont dues généralement à la maladie, une maladie virale qu'on appelle la maladie de Gomoro. Voilà, on en trouve au niveau des cuisses, au niveau du muscle du brochet et également, quand c'est un jeune sujet bien sûr, hein, et également au niveau de la nuit, du cloaque, il y a un organe qu'on appelle bouse de Fabricius. Voilà, lui c'est un sujet âgé, donc la bouse de Fabricius a disparu. Donc la bouse de Fabricius, vous allez voir que cette bouse, effectivement, est hypertrophiée. À l'intérieur, même quand on fend cette bouse de Fabricius, vous allez voir un caillot de sang. Alors ça, c'est les lésions caractéristiques à la maladie de Gomoro. La maladie de Newcastle, alors nous avons au niveau du proventricule, des petits chis, même la maladie de Gomoro aussi, nous avons des lésions, des suffusions à l'entrée, juste là, à l'entrée, voilà, du gésier. Et la maladie de Newcastle ou de grippe aviaire, nous avons des pétéchies, des points de sang qui sont sur la muqueuse, dans toute la muqueuse. Au niveau de la maladie de Newcastle également, nous avons des trachéites, nous avons des pattes, comment ça s'appelle, des pétéchies au niveau du cœur, également des pétéchies à l'intérieur du muscle du brochet. Voilà. Au niveau du muscle du brochet, on retrouve ici des pétéchies. Et même sur la masse graisseuse, il y a aussi également des pétéchies. D'accord. En fin de visite. Bien. Normalement, lorsqu'on finit tout ça, après les prélèvements, nous retrouvons dans les autres services pour dispatcher les prélèvements. Et tout ce qu'on a porté là ne devra pas sortir d'ici. On passe par la poubelle. Et aussi, la carcasse aussi se retrouve à l'incinération. Mais tout ce qu'on observe est, comme je vous l'avais présenté, mentionné sur cette page qui nous concerne. Donc, examen externe, ça c'est avant même qu'on tue l'animal, qu'est-ce qu'on observe dessus. Et ensuite, organe par organe, qu'est-ce qu'on a observé. Donc, on remplit tout ça. Et on finit par un diagnostic provisoire, en attendant que nos prélèvements nous reviennent avec les résultats. D'accord. Okay.